Nous avons un devoir de soigner nos populations. Et avec le phénomène des marchés, comme on appelle les marchés par terre, comme on l'appelle chez nous, nous sommes confrontés à des produits qui ont des provenances qui viennent de divers endroits. Et on ne peut pas vérifier toujours la qualité de ces produits et cela entraîne des dégâts au niveau de la santé publique. Nous avons quand même des générations de pharmaciens qui ont été formés, des pharmaciens d'officine, des pharmaciens industriels. Je pense que si la volonté politique se joint à nous, je crois qu'on pourra vraiment développer le secteur industriel pharmaceutique. Le fait de produire localement peut contribuer à faire baisser le prix des médicaments. Le fait de produire localement peut contribuer aussi à réduire les délais de livraison des produits, certains produits essentiels. En plus, le fait de produire localement assure une certaine qualité, une certaine traçabilité du médicament. On sait d'où il vient. Les services de la pharmacie viennent de façon périodique faire des contrôles de qualité sur les produits que nous avons localement. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la création d'emplois. Il faut bien utiliser ces pharmaciens que nous avons formés quelque part et leur donner leur place dans un tissu industriel.